coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main. Afin de réaliser le remplacement de ton filtre à essence, il est nécessaire de soulever l'avant et l'arrière de ton véhicule côté passager pour te glisser facilement sous la voiture et accéder au filtre. Place le cric au milieu de ton véhicule. Soulève le véhicule et pose-le sur les chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner le tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu pourras ainsi visualiser le filtre à essence qui se situe à côté du réservoir. À l'aide d'un tournevis plat assez fin, appuie sur la partie bleue du raccord plastique et simultanément tire dessus afin de le retirer. Munis-toi d'un bidon de récupération d'essence afin de récupérer l'essence qui coulera du filtre. On te propose même d'en fabriquer un en visionnant la vidéo « Fabriquer un bidon de récupération de liquide ». Réitère l'opération sur les autres raccords situés de part et d'autre du filtre en appuyant sur la partie colorée du raccord et en faisant simultanément levier avec un tournevis plat pour les retirer. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retire la vis de fixation du cerclage de maintien du filtre. Cela te permettra de le sortir. Retire le filtre en le faisant coulisser. Compare l'ancien et le nouveau filtre afin de t'assurer qu'ils sont bien identiques. Retire les obturateurs jaunes. Puis remonte le nouveau filtre en le faisant coulisser dans le sens inverse de la dépose. La languette de maintien doit s'insérer dans un téton métallique présent sur le filtre. Cela sert de détrompeur au montage. Une fois correctement positionné, repose la vis de fixation sur le cerclage plastique du filtre. Repose les trois raccords d'essence en les clipsant sur le filtre. Assure-toi bien que toutes les durites soient correctement clipsées. Tu peux maintenant reposer ton véhicule au sol. Opération terminée !